Si tu as deux jambes, c'est pour marcher. Bon pour la santé, pour l'environnement. Avec Ever et Anderlecht, Jet est une des trois communes à mettre sur pied cette initiative régionale. Des plans pour piétons dans les abribus, des bancs pour se reposer, bref, tout pour dynamiser la marche à pied. Mais le Jetois a-t-il vraiment besoin de tout ça ? Peut-être que beaucoup de gens ont une appréhension par rapport à la marche à pied. D'abord parce que souvent les trottoirs ne sont pas en très très bon état. Souvent les parcours ne sont pas les plus agréables. Et donc, dans une commune comme la nôtre qui a la chance d'être très très verte, il y a probablement toute une série de parcours qui sont beaucoup plus courts qu'on ne le pense d'abord et qui sont plus agréables qu'on ne le pense également. La région a épluché jusqu'au dernier petit passage pour piétons, souvent oublié des plans traditionnels. Et son action se veut interactive. Si les gens connaissent encore des chemins qui ne sont pas sur la carte, eux-mêmes, ils peuvent les ajouter, puisqu'on a développé l'application Open Data. Ça veut dire qu'on peut toujours corriger, mais aussi ajouter. Et l'idée est alors faire un inventaire complet de toutes les voiries, des petites voiries, des grandes voiries, qui sont bien pour les piétons. Et cette application, la voici, chargeable sur les tablettes comme celle-ci ou les téléphones Android. Son usage est facile, mais si les écrans vous donnent des boutons, la région a publié également un plan sur papier. Après quoi, il ne vous restera plus que vos jambes.